wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois sur GTA 5 Online en compagnie de Lapinou. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, je pense qu'on a pas mal d'excuses à faire comparé à la vidéo qu'on a fait hier. Ouais, beaucoup, ouais. Je suis vraiment désolé pour le son, l'audio de la vidéo d'hier. Il vous a vraiment démoli les oreilles et j'en suis conscient moi-même. J'en étais conscient de ce problème. Mais comme vous le saviez pas, mais on avait déjà tourné la vidéo deux fois. Donc la deuxième fois, on avait vu des choses qu'on n'avait pas forcément vues sur la première. Mais si on retournait encore une nouvelle fois la vidéo, bah, il n'y aurait pas eu l'effet de surprise qu'on a pu avoir sur la vidéo. Donc du coup, ça aurait été un tout petit peu moins cool. Du coup, j'ai pris la décision de l'upload quand même, même si l'audio était un petit peu catastrophique. Mais bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aimé cette vidéo et qui aiment ce genre de vidéo. Donc, comme je l'ai dit hier, si vous aimez un petit peu tout cela, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire, des petits tests ou même des petites vidéos avec Lapinou et tout. Dites-moi tout cela dans l'espace commentaire, moi je prends un réel plaisir et tout. Et enfin bref, hier on s'est attaqué au ramp buggy et on l'a testé face au camion du Phantom Wedge. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Et cette fois-ci, vous l'avez compris, on va confronter le fantôme Wedge à ce fameux tank qui est juste face à moi. Je peux tirer ou pas? Non, je peux tu pas tires tirer. Pas. Non. Le résultat risque d'être assez violent. Et assez j'espère que ça va être drôle. Attends, tu sais quoi là? T'es déjà bien positionné, je vais t'éclater ouais. Ta gueule. Non, je bouge pas. Bah t'as pas intérêt à bouger, je vais On va tester déjà ouais, sur le côté et après on verra de face. Je pense que de front ça doit être sympa aussi. Ah ouais, mais je pense que je vais devoir acheter un. Je vais devoir recommander mon camion. Parce que par doute, je pense que de. Je pense que de face ça peut faire mal au camion quand même. Oh putain, j'arrive. Oh là là. Oh putain. Franchement, okay. c'est rare quand je vois le tank décoller comme ça. Ah oui, c'est sûr que là, le tank, on le voit pas décoller très souvent, surtout de cette manière-là. Ouais. Donc au moins, c'est positif, c'est que le camion est capable de le faire bouger, et capable même de le faire voler. Vas-y, mets-toi de front, de face. Ah mince, ouais, attends, vas-y, je me mets en place. Mais déjà, c'est une bonne chose, ça veut dire que le fantôme peut le bouger, le tank. Ouais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir bouger le tank, surtout le ramp buggy qui n'est pas capable de le faire. Voilà, attends, j'arrive. Je crains de je la faire. Sens mal. Moi aussi. Oh là 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 là. J'avoue, ça décolle bien. Et après, si t'essaies un peu plus sur le côté, je sais pas. Ou alors, si moi je fonce vers toi aussi en même temps. Bah, tiens, c'est parti, on va faire ça. Attends, je vais prendre juste beaucoup plus d'élan. Ouais, moi je recule un peu et comme ça, du coup, je vais avancer aussi. Je vais prendre un peu d'élan parce que le tank il est un peu bon. On va se faire ça. Vas-y, c'est bon, j'arrive là. Vas-y, allez. Oh, le choc frontal va être violent. Là, ça va être what the fuck. Mais est-ce que je vais décoller plus que quand étant arrêté, je sais pas. Oh là là, je vais faire ma gueule. Oh. Ah, j'ai réussi à te stopper quand même. J'ai réussi à te stopper. Tu m'étonnes. Heureusement qu'il arrive à le stopper. Attends, bouge pas. Reste comme ça. Je suis en PLS par contre. Je sais pas si. Non, c'est bon. Il fume pas noir encore. Non, le mien il fume pas. On va voir s'il est capable de au bout de combien de coups on peut le démolir. Donc là on est déjà à 3 coups. Ouais. Ouh, t'as vu, c'est pas pareil déjà. Ouais, il y a beaucoup moins de puissance. Attends, ouais. Là reste comme ça, je vais essayer sur le côté. Donc ouais. Là ça fait le quatrième coup. Le Phantom Wedge est toujours debout. Ouais. Il fume pas, il prend pas feu ni rien. Il est résistant. Le tank aussi pour l'instant ça va. Ouais, ouais, pas de problème. Ça va. Ouais, non, il fume noir mais normal. Enfin. Il fume noir mais normal. Ouais, non, mais c'est l'échappement classique quoi. Oh! Ouais, je pense que si tu essaies sur le côté, je pense qu'il faut que tu me prennes de front, à mon avis. Ouais, ouais, je pense. Je vais pouvoir te faire faire. Je vais pouvoir te retourner sur le côté, tu vois. Mais déjà, t'arrives à me faire bouger. Hein. Ouais. Attends, on va réessayer. J'avance tout doucement pour voir. Ouais, mais vraiment tout doucement. Hein. Ouais, non, mais tout doucement. Attends, j'arrive. J'arrive. Hey.
non, le moyen. Résultat est pas le même là. En fait, c'est je me bizarre. Tape les chenilles, du coup, ça ralentit vraiment le camion. Peut-être bien, ouais. Ouais, peut-être que c'est à cause des chenilles, effectivement. Attends, on va essayer une dernière fois. Mets-toi derrière cette fois-ci, de vas-y. Dos. Ouais. Pour voir. Mets-toi de dos, histoire qu'on rigole. Vas-y, j'arrive. De dos, on va voir. Alors, j'avance du coup, en même temps que toi, mais tout doucement, pour voir. Vas-y. J'arrive. Fais gaffe à ton cul là. Ah oui, là c'est pas voilà, pareil déjà. Là c'est déjà un peu mieux. Là c'est pas pareil. Ah ouais, laisse tomber. Putain. Ah c'est bon, il fume. Il fume là, on est le sur camion? Le point de l'exploser, ouais. C'est on vrai. On est sur le point de l'exploser, ouais. Attends, je pense à deux derniers coups là sur le tank et le camion là, c'est bon, le camion il meurt. Bah je pense que, ouais, il doit falloir. Allez, entre 10 et 15 coups sur un tank, à mon avis, le camion il souffre. Oh là 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 là. De face c'est pas pareil, mais punaise. T'arrives à le bouger déjà, c'est une bonne chose. Ouais, mais vas-y, remets-toi derrière, je vais te renfoncer dessus là. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Petite curiosité, le tank coûte plus cher que le fantôme ou pas? Non, le fantôme coûte plus cher. C'est 3 millions, il me semble. D'accord, sinon j'allais dire, ceux qui ont pas les moyens d'avoir un tank, ils peuvent acheter le fantôme, ils peuvent au moins se défendre contre les tanks. Mais ah ouais, fait, c'est non. Sûr. Ouais, mais bon, après, avec un obus, je pense que. Oui, ouais. Ah oui. Oui, ça doit pas être la même chose avec un obus. Le mec, il a un tank, il va pas attendre que le fantôme lui arrive sur la gueule, tu vois ce que je veux dire. Ça me paraît un petit peu logique. C'est pas faux. Effectivement. Mais attends, à savoir, est-ce que si tu me tires sur le gros truc là. Devant sur le truc... Ouais, mais attends, mais le fais pas maintenant. Ouais, parce qu'à mon avis. Oh oui, tu m'as carrément retourné. Ok, d'accord. Là, c'est magnifique. Attends, on va tenter pour voir si le truc il est vraiment indestructible ce qui est devant parce qu'il m'a l'air vraiment balèze. Ouais, attends déjà. Essaye de tirer sur le. Bon, je sais qu'il y a le moteur qui est juste à côté, mais bon. Essaye de tirer sur la partie grise. Alors attends. J'ai pas envie de mourir. Mais je pense qu'il va sauter. Hein. Ouais, je pense aussi, mais bon, il faut quand même. Là, je suis pile sur le bout du nez. Ah ouais. Ouais. Non, le Phantom vs Rocket, ça marche pas. Ouais, c'est sûr que Phantom vs Rocket, là, c'est pas possible. Ouais, mais je pensais qu'à la limite, il aurait pu. La partie blindée du devant aurait pu tenir face au tank, je pense. Mince, excuse-moi. Je pensais aussi. Après, bon, enfin, on l'a quand même bien allumé, mais. Oui, c'est sûr. Mais après, ouais. Remarque, j'ai pas essayé après avec une roquette classique, mais je suppose que soit avec une roquette, avec l'arme lance-roquette ou le tank, de toute façon c'est pareil. À mon avis, tu peux le faire sauter. Oui, je pense aussi, y a pas moyen. Enfin bref, on a vu le résultat, de toute manière, on a fait le test qu'on voulait, c'était que le fantôme est bien capable de démolir le tank. Enfin voilà. Maintenant, vous savez comment vous amuser avec vos amis. Par exemple, comme là, il est actuellement en train de monter le fantôme. T'as envie de lui faire des enfants? Je suis bloqué, je crois. Par contre, c'est un fantôme et un tank, donc je suis pas sûr que tu puisses faire grand-chose avec lui. Hein non, je sais pas. À toi de voir. Un rhino fantôme. Allez, voilà, c'est ça. T'imagines un rhino fantôme, là? Oh tiens, ça me donne une petite idée d'accouplement de voiture sur GTA 5 PC avec des mods et tout. Oh merde! Oh! Mais en fait, je voulais essayer de voir si on pouvait faire une rampe avec. Mais dans la position où il est, je pensais que ça aurait été faisable. Non, mais je pense pas. Non, non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas, ouais. Il bouge. Bon, bah, on a fini un peu le test. On a un peu fait tout ce qu'on voulait faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de test vous aura fait plaisir. Comme à chaque fois, vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Donc n'oubliez pas, ça prend 2 secondes. Et moi et Lapinou, ça nous fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de marquer un petit commentaire disant si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous avez des idées de tests à la con, ou si vous voulez que Lapinou et moi on fasse des petites choses et tout. Dites-nous tout cela dans l'espace commentaire. On a déjà pas mal d'idées en tête et comme on a vu que la vidéo d'hier vous a énormément plu puisqu'il y a près de 700 likes en moins de 24 heures, plus de 16 000 vues et tout. Franchement, ça a fait hyper plaisir de voir que vous avez été réactif sur cette vidéo et que ça vous a énormément plu, malgré que l'audio était vraiment dégueulasse. Et ça, c'est de la faute, ouais, à Lapinou. Voilà, je lui remets la faute dessus. Je suis un enculé, je lui remets la faute dessus. Là, en tout cas, l'audio sera... Voilà, on dira rien. Là, l'audio, en tout cas, est largement mieux. Là, je peux vous le garantir. Donc, j'espère que ça relaxera vos oreilles d'entendre ma douce voix. On saignera moins des oreilles. Voilà, exactement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Virtuose et Lapinou. Ouais.
Bah non, tu dis au revoir à ce moment-là, tu vois. Au revoir tout le monde. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, le lien est dans la description. Voilà, il fait une petite vidéo assez sympathique, donc allez jeter un petit coup d'œil si ça vous plaît. Bah, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, enfin bref, vous connaissez un petit peu la panoplie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Virtuose et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Wow. Bye tout le monde. Je peux faire une bêtise? Non. Si. Quel enculé celui-là.